Commence à
prié, continue à prier. J'avance avec tes propres mots. Que tu pries le Seigneur. Que ton ciel commence à se déranger. Que ton ciel commence à se déranger. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'aimerais que tu puisses répéter, pas parce que je le dis avec conviction, parce que tu crois ces paroles. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La Bible déclare. La Bible déclare. Si deux personnes s'accordent. Si deux personnes s'accordent. Pour demander une chose. Pour demander une chose. Ils le verront s'accomplir. Ils le verront s'accomplir. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je m'accorde. Je m'accorde. Avec mon frère. Avec mon frère. Je m'accorde. Je m'accorde. Avec ma soeur. Avec ma soeur. Père. Père. Les nuages. Les nuages. Ont troublé sa vie. Ont troublé sa vie. Durant des années. Durant des années. Durant des mois. Durant des mois. Durant des semaines. Durant des semaines. Les ténèbres. Les ténèbres. Ont recouvert son ciel. Ont recouvert son ciel. Mais ce soir. Mais ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour sa vie. Je prie pour sa vie. Son ciel. Je prie pour son ciel. Que toi, le Dieu du ciel, commence à libérer. Commence à libérer. Allez, lève ta voix. J'aimerais que tu puisses vibrer dans la prière. De la même manière que tu pries pour ton frère, c'est la même manière que le Seigneur t'arrose ce soir. J'aimerais que tu lèves ta voix et que tu parles. Proclame sur la vie de cet homme. Proclame sur la vie de cette femme. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Est-ce que quelqu'un a été béni hier? Amen. Est-ce que quelqu'un
a réellement été béni, délivré. Amen. Et pourquoi? Ça ne se voit même pas sur vos visages. Amen. 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 Ça ne se voit pas. Vous savez, en 1960, il y a nos pères qui ont conquis l'indépendance et ce jour-là, ils dansaient indépendance cha-cha parce qu'ils étaient libres. Amen. Moi, je suis venu ici aujourd'hui en me disant que c'était le premier jour de ma liberté totale. Et donc, j'étais dans une joie qui pouvait se lire sur mon visage. Et je suis étonné de voir que vous ne manifestez pas cette joie sur vos visages. Amen. 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 Regarde ton voisin et dis-lui, tu es béni. Maintenant, ferme les yeux et parle pour toi-même. Dis, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni au nom de Jésus-Christ. Je suis béni au nom de Jésus-Christ. Amen. En fait, nous avons un problème. C'est que, et je pense que le révérend l'a dit hier, nous voulons expliquer toutes les choses qui se passent à l'église. Comme on explique un cours de mathématiques. L'église, les principes de Dieu ne sont pas logiques. Amen. Amen. Les principes de Dieu ne sont pas logiques. Et nous voulons expliquer toute chose. Voilà, Dieu fait ceci parce que, il n'y a pas de parce que. Il le fait, un point c'est tout. Quand tu veux commencer à expliquer la pensée de Dieu, c'est-à-dire que tu es assez fou pour imaginer que tu peux atteindre un dixième de sa sagesse. Les choses de Dieu ne sont pas logiques. Amen. Amen. Je vous le dis, les principes de Dieu n'ont rien de logique. Le révérend a donné quelques exemples hier. Il n'y a rien de logique. En certaines choses, il faut juste obéir. En certaines choses, il faut juste accepter les choses comme elles sont. Vous savez, quand je parcours la Bible, peut-être que nous avons pris l'habitude de la lire un peu trop vite. Mais Dieu fait des choses qui ne sont pas logiques. Dieu fait des choses qui sont incroyables. Je vais, pour cela, je ne vais même pas prendre la peine de lire parce que je pense que chacun de nous connaît cette histoire. Moïse délivre le peuple d'Israël. Et sous sa conduite, il les ramène vers leur terre promise. Ces gens ont vu de leurs yeux des choses que personne ne pouvait imaginer un jour. Une armada, l'armée de Dieu s'est abattue sur l'Égypte. Ces gens ont traversé la mer, les pieds à sec. Ces gens ont vu les premiers-nés des familles égyptiennes mourir. Et puis voilà que, parce qu'ils doivent faire un détour sur leur chemin vers la terre promise, ils se mettent à murmurer. Ils se mettent à murmurer déjà. C'est le point 8 de ce qu'on a entendu hier, les murmures. Ces choses à éviter pour les enfants de Dieu. Ces gens se mettent à murmurer. Yébé Moïse, voilà. On a faim, on a soif. Falati Kabisokuna. Ils se sont mis à murmurer, au point que Dieu, qui venait de les délivrer, Dieu qui venait de se déplier de toute sa longueur pour faire de les hommes et les femmes libres, décide de les laisser mourir. Ah oui, vous savez, dans la Bible, souvent, on dit, bon, Dieu les a punis. Mais nous, on commence à grandir un peu spirituellement, donc il faut dire les choses comme elles sont exactement. En réalité, ces gens se sont punis tout seuls. Pourquoi? Parce que Dieu
Et j'étais très content parce que hier, le révérend parlait, donc nous sommes dans le livre des Nombres, hein, ceux qui cherchent, livre des Nombres, chapitre 21. Vous pourrez lire ça à la maison, comme ça on va gagner du temps. Quand Dieu était occupé à protéger ses enfants, il était dans son rôle de Jéhovah Nissi, le Jéhovah protecteur, celui qui protège ses enfants. Et quand vous déplaisez à Dieu, il arrive un moment où Dieu fait un pas de côté sur une de ses personnalités. Alors, quand Dieu te protège, comme un papa ou une maman protège son enfant, et qu'à un moment donné, il n'est plus très content de son enfant, il peut le regarder comme ça. Et l'enfant est sûr d'aller tomber quelque part. Et donc, Dieu a choisi de ne plus être Jéhovah Nissi pour ce peuple. Et alors, les serpents ont commencé à les attaquer. Ces serpents étaient déjà là. Ces serpents étaient déjà là dans le désert. Sauf qu'ils n'attaquaient pas ces enfants d'Israël parce que Dieu protégeait et chassait ces serpents. Et dès lors qu'ils ont commencé à murmurer contre celui qui était là, la figure du Père, Moïse, alors Dieu les a laissés. Il n'est plus intervenu en tant que Jéhovah Nissi. Et les serpents ont commencé à faire un véritable massacre. Amen. Amen. Et les mêmes sont revenus vers Moïse en disant, est-ce que tu ne veux pas prier Dieu? Parce que là, ça ne va pas. On est complètement massacrés. Et Moïse, qui est un homme qui a un très grand cœur, c'est Dieu qui témoigne de lui. Il dit, de tous les hommes de la terre, moi j'ai jamais vu un homme d'une telle patience. Il dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour ce peuple. Et là, on voit ce Dieu qui fait des choses qui ne sont pas logiques. Bien aimé, Tosa Awa, imaginez-vous qu'il y a des serpents qui nous attaquent. On va voir le pasteur, on lui dit, pasteur, t'as là, il y a plein de serpents partout, bazo si lisabiso. Dans la pensée humaine, on pourrait s'attendre à ce que Moïse dise, bon, Torosa là-bas, piège, on va faire des pièges pour que les serpents tombent dedans, on va faire des petits feux, on va faire ceci, on va faire cela. Vous savez ce que Dieu dit? Vous allez fabriquer un serpent d'airain et vous allez le suspendre très haut. De telle sorte que quiconque sera mordu ou agressé par une de ces bêtes, aussi loin qu'elle pourra être, elle n'aura qu'à lever les yeux, regarder le serpent des reins. Et quand tu regardes le serpent des reins, tu es guéri. Amen. Amen. Tu es guéri. Vous imaginez la solution de Dieu? Moi, j'imagine très bien qu'il y a des gens, plutôt que de regarder le serpent des reins, ils ont continué à murmurer. Des gens qui ont été mordus, on lui dit, frère, Moïse a dit, maintenant, il faut regarder le serpent des reins. Lui, il dit, ah, oh, Ninipé. Moi, je suis naï, et puis vous me demandez de regarder le serpent, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer pour moi? Et ces gens ont sans doute été morts. Parce qu'ils ont voulu faire entrer la logique dans des choses qui ne demandent qu'obéissance. Dans des choses qui ne demandent que de l'obéissance, ils ont commencé à réfléchir. Oui, mais si je fais ceci. Et quand Dieu dit non, mais regardez le serpent des reins, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne devaient pas regarder à leur plaie. Ils ne devaient pas regarder à leurs soucis. Mais voilà. L'Ancien Testament est en fait l'image très imparfaite de ce que nous vivons aujourd'hui. Bien-aimé, est-ce que tu ne penses pas que ton problème a trop duré? Est-ce que tu ne penses pas que ce qui t'oppresse n'a que trop duré dans ta vie? Est-ce que tu ne penses pas que ce problème
d'argent depuis des années et des années qui revient, qui s'est collé à toi comme une épidémie, n'a que trop duré. Est-ce que cette maladie n'a pas déjà fait tout son temps dans son corps? Est-ce qu'il n'est pas temps d'en mettre fin? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de mettre un terme aux difficultés de couple que tu as? Est-ce qu'il n'est pas temps de déloger cette maladie qui ronge ton corps? Est-ce qu'il n'est pas temps pour cela? Bien-aimé, là encore, la Bible, Dieu, qui n'offre pas des solutions logiques, nous offre une solution bizarre. Il te regarde aujourd'hui et il dit, ma fille, tes problèmes ont trop duré. Mon fils, on doit pouvoir mettre fin à ces problèmes. Pour toi, il n'y aura non pas un serpent d'airain, mais pour toi, c'est moi-même qui vais être suspendu sur une croix. Pour toi, afin que plus rien ne vienne te déranger encore, je vais être pendu là-bas tout en haut. Je vais devenir le serpent chargé de tous les péchés. Je vais faire couler mon sang pour toi. Et si tu as un problème, ne le regarde pas. D'où que tu puisses être, tu lèves simplement tes yeux sur la croix. Amen. Et une fois que tu as regardé tes yeux, tu as bien fixé tes yeux sur la croix, et que tu crois que je suis le sauveur, et que tu crois que, voilà, j'ai donné ma vie pour vous, eh bien, ce jour-là, tu pourras marcher sur le serpent et sur le scorpion. Ce jour-là, tu pourras terrasser cette maladie qui n'a que trop duré. Ce jour-là, tu vas terrasser tout ce que les médecins disent à son sujet. Ce jour-là, tu vas renverser la pauvreté dans ta vie. Mais révérend, tu vois bien le problème, c'est que ce que le Seigneur nous donne comme solution, c'est finalement trop simple. Les solutions sont trop simples. Voilà pourquoi nous n'y croyons pas. Hier, nous sommes venus, le révérend était là, il a prié ici, avec la puissance de ce nom de Jésus, pour que tous tes problèmes-là cessent. Ceux qui l'ont voulu librement se sont approchés, ont reçu l'huile, ont reçu la prière, ont reçu cette onction particulière pour mettre un terme à ceux qui les oppressaient. C'était plus facile pour lui, peut-être, préférable pour certains esprits qui se mènent à la tourner par terre, qui vous fassent passer entre les jambes, qui fassent je ne sais quoi d'autre. Mais quand les choses sont faites simplement, les gens ont du mal à y croire. Quand les choses sont faites simplement, les gens ne croient pas. Parce que Dieu n'est pas logique. La seule chose que moi je peux dire de Dieu, c'est qu'il est bon. Vous savez pourquoi il avait demandé qu'on suspende le serpent? Pour que même au 3 ans ou 6 cas, il puisse regarder, juste lever les yeux. Mais est-ce qu'on peut faire plus simple que ça? Est-ce qu'on peut faire plus simple que ça, que ton problème, tu fermes les yeux, tu dis, moi maintenant, au nom de Jésus-Christ, je mets un terme à ces problèmes. Amen. Amen. Parce que nous n'avons plus à lutter contre la chair ni le sang. Amen. Voilà pourquoi tout à l'heure, l'apôtre disait ici que les problèmes qui nous oppressent, ce sont eux nos ennemis, pour lesquels Jésus-Christ a été pendu à la croix. Alors tu ne penses pas que pour toi, Jésus a été pendu inutilement si tu n'utilises pas ce nom? Si tu n'utilises pas ce nom a été préparé pendant des siècles et des siècles. Ce nom a été placé au-dessus d'un nom, et puis d'un autre nom, et puis d'un autre nom. Amen. De telle sorte qu'un jour, l'ange a dit à Marie, tu vas enfanter un fils. Voilà, tu vas l'appeler Jésus.
pas Marc, pas Philippe, pas Joseph, Jésus. Parce que ce nom a été préparé de longue date. Amen. De telle sorte que toi, aujourd'hui, tu puisses le dire. Et quand tu le dis, quand tu proclames ce nom, il y a une armée entière qui se met en route. Alléluia. Pour aller combattre. Amen. Il y a une puissance particulière qui est déployée comme une bombe pour aller combattre. Mais peut-être que c'est trop simple. Peut-être que c'est trop simple pour toi. Et c'est pour ça que je dis, j'aimais beaucoup cette mystique des noms. Vous savez, quand Jésus a rencontré Pierre, quand il a rencontré Simon, il lui a dit, toi, tu seras Pierre. Et si vous regardez attentivement la Bible, vous allez voir que ce sont les évangélistes qui ont écrit pour nous faciliter la tâche. Qui à chaque fois qu'il disait Simon, il rajoutait Pierre. En réalité, Pierre, Simon n'est devenu Pierre que quand Simon a pris, a accepté l'Esprit de Dieu en lui. C'est-à-dire quand Jésus a été pendu sur la croix et que le sang a coulé et que l'eau a coulé et que l'Esprit a témoigné et que les trois se sont mis d'accord. Eau, sang, Esprit. À ce moment-là, celui qui n'était que Simon est devenu Pierre. Amen. Parce que celui qui n'était qu'un pêcheur de poissons a rencontré sa destinée. Amen. Sa destinée. Et voilà pourquoi il disait que l'autorité d'un père, c'est de donner parfois un nom à son enfant. Mais là encore, les choses sont trop simples. Moi, je suis sûr, révérend, que si à 10 heures, vous recevez deux personnes qui viennent sonner chez vous. Ding dong, ding dong. Le pasteur et puis un ami. L'ami ramène, on va dire comment, un carton de Thompson. De tilapia. Et puis le pasteur vient prier. Beaucoup de gens seront plus reconnaissants à la personne qui a porté le carton de tilapia. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assez spirituels. Alors, puisque nous ne sommes pas spirituels, nous considérons davantage les choses qui sont naturelles. Nous considérons davantage nos papas, ceux qui sont biologiques, parce qu'ils nous ont engendrés dans la chair. Nous considérons davantage celui qui nous emmène le sac de Thompson que celui qui nous apporte une parole de vie. Parce que nous ne sommes pas spirituels. Et à mesure que nous serons spirituels, nous allons commencer à comprendre que quand je dis que je suis tellement heureux de voir mon frère Jerry, c'est parce que c'est réellement mon frère. Amen. Ce ne sont pas des formules. Ce ne sont pas des formules. Quand je dis je viens et que le révérend c'est mon beau-frère, mais c'est une qualification.